Ceci est mon corps. Prends-le dans ta bouche. Prends-le pour te souvenir de moi, pour te souvenir que je souffre encore pour l'éternité. Ça ne peut plus durer. Faut que ça change. Une mémoire. La mémoire d'un homme qui repense à des souvenirs d'Afrique alors qu'il est né à Paris. Et on ne range pas les gens dans des cartons. Pourtant, quand j'ai perdu mon travail, j'aurais bien rangé mon patron dans un carton avec le reste du contenu de mon bureau. On ne peut pas ranger les gens dans un carton. Même si on ne veut plus s'en servir. Le premier enfant était un noir, il venait de l'Afrique. Le second était un arabe, il venait de l'Afrique. Nous ne sommes plus au début de notre monde, nous nous trouvons au commencement de notre histoire, à Clichy-sous-Bois. Mais est-ce bien le commencement de l'histoire? Et cet air que ces enfants ont respiré avidement pendant 17 ans, était-il vraiment respirable lorsqu'on est de bonne constitution et capable de vivre bien au-delà de ce que peut espérer un corps encore immature? Qui a commencé? À l'époque, on vous appelait par votre nom de famille. La voix résonnait entre les murs jaunes de la salle municipale, sertie pour l'occasion de guirlandes colorées qui ne clignotaient pas encore sur les visages fatigués. Je me souviens qu'à l'époque, on vous appelait par votre nom de famille. Ces magasins ne sont pas les nôtres, ils brûlent en paix. C'est la marchandise qui périt, celle que nous payons au prix fort pour remplir nos assiettes en carton. Ces écoles ne sont plus les nôtres, ces écoles où des flics armés peuvent pénétrer pour menotter en plein cours deux adolescents de 14 ans. Ces écoles où on apprendra bientôt comment la France a été un bienfait pour ces petits bamboulas de l'Algérie française au Dahomey, grâce à une loi éhontée votée dans l'indifférence générale le 23 février 2005. On n'y apprendra toujours pas pourquoi ces autobus qui brûlent sur un parking ne sont plus les nôtres non plus. Ces autobus qui ont du 17 au 20 octobre 1961 transporté gratuitement en 3 jours 11 000 travailleurs français musulmans pour un aller simple dans les camps de rétention du bois de Vincennes, au stade de Coubertin, au palais des sports de la porte de Versailles. Un millier d'entre eux ne reviendra jamais.
Mais ces corps qui brûlent, ce sont et ce seront toujours les nôtres. Mais ces corps qui brûlent, ce sont et ce seront toujours les nôtres. Ce sont nos corps, les corps de ces enfants pulvérisés dans les immeubles de Paris. Ce sont nos corps, les corps de ces enfants réchappés de ces mêmes immeubles. Et le feu devra encore bouillir la mémoire dans nos têtes. I go through all this before. Ceci est mon corps. Il ne me reste plus que ça. Un morceau d'éternité. Ne le jette pas tout de suite. Prends-le. Il a encore du goût. Le goût de la vie.